On parle de conteneurs. C'est ridicule. Ce débat, je pense que c'est, comme les gens m'ont dit, c'est acquis au débat. Moi, je pense que j'ai donné ma version par rapport à cette histoire de conteneurs. Seul service qui avait un violon climatisé. Chez le procureur qui est au menu là, je pense que lui, il comprend beaucoup de choses. Parce que quand mon service fonctionnait, les PV qui étaient chez eux, je pense qu'ils ont bien apprécié ces PV-là. Jamais un conteneur à mon service. J'ai conteneur chez moi, non. S'ils se sont trompés, ils sont allés ailleurs, après avoir pris les 5 millions et qu'ils sont rentrés dans le conteneur là-bas, je ne dis pas. À moins qu'il apporte les preuves tangibles. Non, ces histoires de conteneurs-là, ça n'existe pas. Et j'avais le violon climatisé. Et ils ne sont pas rentrés au violon, malheureusement, parce qu'on s'est entretenu. Ils disent que Djabi, contradictoirement, hein, il y a un qui a dit que M. Djabi et M. Koutoubou sont venus le chercher à 0h. L'autre dit que c'est à 0h qu'on a commencé à résolutionner. Il y a même déjà, même la petite déclaration qu'ils ont faite ici, il y a une contradiction. Non ? À 0h qu'ils ont venu le chercher. Et qu'ils auraient à cause des violences qu'ils ont subies, morales ou corporelles, je ne sais quoi, parce que ce n'est pas moi qui les ai fait subir ça. Ils disent que M. Djabi et Koutoubou les ont envoyés d'abord à Donka. Heureusement. Donka est une essence médicale. Quand c'est comme ça, il doit y avoir des documents qui justifient cela. Et que de Donka, ils sont partis au resto. Heureusement. Mais malheureusement, je pense que ils ont été deux fois. Parce qu'il y a un qui avait dit dans sa déposition, j'ai tout noté, hein, moi j'ai fait des brochures déjà. Il y a un qui avait dit dans sa déposition que de Donka, la nuit, ils sont partis au camp. Et que, arrivé, chemin faisant, Koutoubou aurait appelé M. Dadis. Est-ce que Dadis n'avait pas pris le téléphone et c'est en ce moment ils ont été libérés? Il y a un autre qui dit, je pense que c'est le patron là, et non, c'est ce monsieur qui a dit, M. Mamadou, Kali Diallo, qui dit quelque part dans sa déposition, devant ce tribunal criminel, que c'est du matin de 0h au lendemain matin qu'il a été libéré. Ça y est dit, j'ai noté, et c'est dans allez sur YouTube, vous allez trouver. Que c'est du matin à 0h, c'est à 0h que les gens sont partis, hein. Nous on les a arrêtés à 0h d'après lui, et que c'est le lendemain qu'il a été libéré. Grave. Lui dit, c'est vers les 17h. Certainement, c'était deux équipes. Et deux maisons centrales. Et maison de jeunes. Lui dit que c'est vers les 17h, vers les 19h. D'après lui, j'ai tout noté. Hein. Donc, il y a contradiction d'abord à ce niveau-là. Peu importe la contradiction. Quoi qu'il arrive, ils étaient dans l'équipe, la même équipe, d'après leur version, malgré qu'elle soit contradictoire. Donc, monsieur le président, il faut qu'on soit un peu logique dans tout ce qu'on fait. C'est important. Ce monsieur, je le connais depuis lors, je ne l'ai plus jamais revu. J'étais là, 14 ans, jour pour jour. Je travaillais, 14 ans, jour pour jour. Je me frottais avec les Guinéens, dans les baptêmes, dans les mariages, dans les services. Ce monsieur, je ne l'ai plus rencontré. Mais quand j'attends ces versions, quand il était là, à la barre ici, j'étais assis dans ce box-là. Je ne sais pas, ce box-là, c'est une prison, hein, c'est une prison déplacée ici. Tu n'as aucun droit. Même si tu lèves la main, le président, il ne va même pas t'écouter. Parce que c'est pas possible. Je n'ai jamais levé la main là-bas. Non, non. En ce moment, ce n'était pas possible. S'il vous plaît. Ouais. Personne n'a levé la main là-bas et qu'on ne l'appelle. Et qu'on ne lui demande, voilà, qu'est-ce qui se passe. De toute façon, vous avez des conseils ici. Si vous pouvez faire passer des messages, vous ne pouvez pas dire que même si tu lèves la main, on ne peut pas te voir. C'est pas possible. Merci, Monsieur le Président. Voilà, vos conseils ont toujours fait passer ici vos messages. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Merci pour la précision. Voilà. On ne le savait pas, certainement, parce que nous sommes dans un box là. On vous a toujours dit vos droits ici, Monsieur Camara. D'accord. On n'a même pas fini ce procès. Hein. Vous ne pouvez pas commencer à ressortir les petits trucs alors que vos droits vous ont toujours été dit ici.
Je reconnais. Quand vous me dites on ne le savait pas, non, c'est comme si vous aviez fait, ça n'a pas été fait par le tribunal et que vous dites aujourd'hui on ne le savait pas. Je veux, monsieur le président, pas pour. Voilà. Pas pour donc restez ouais. dans ce domaine-là. D'accord. Je suis d'accord avec vous. Dans ce box-là, voilà. Ne sachant pas qu'on pouvait interrompre une victime ou bien supposée victime en train de choyer. Monsieur Camara, j'étais obligé. Monsieur Camara. Oui. Quand vous parliez ici, est-ce que quelqu'un vous a interrompu? Quand vous étiez en train de parler, est-ce que quelqu'un vous a interrompu? Non. Est-ce que vous pouvez aussi interrompre quelqu'un quand il est en train de parler? Pas du tout. Voilà. Donc la logique est là. La logique est là. Je suis pour la logique. Voilà. Donc ça, ce n'est pas un argument. Vous avez maintenant le temps pour vous défendre. Oui, allez-y, laissez ça. Au boxe alors, je reviens sur nos moutons. Le boxe, je l'ai vu parler beaucoup de choses ici. Beaucoup, beaucoup. Le faiseur de roi, c'est lui qui a fait ceci. C'est pas important. Ce qui me concerne, voilà comment les choses sont passées. Voilà comment les choses sont passées. Et mieux que ça, ce monsieur, franchement, c'est ici, à cette barre, que je l'ai vu. Ce tote, je l'ai vu parce qu'il y a eu échange entre nous, verbalement. Et mieux que ça, je l'ai remis de l'argent. Il peut nier. Peu importe. C'est bon. Mais Dieu nous voit. C'est bon maintenant. Alors, parce que vous revenez sur les mêmes choses. Pour finir, le chef de quartier, monsieur le président. Allez-y. Le chef de quartier. Il affirme ici que c'est moi qui aurais nommé ce chef de quartier. Qu'il apporte les preuves administratives. Un chef de quartier ne se nomme pas comme ça. Pour la petite histoire, un jour, vous saviez, à l'époque là, la lutte contre le grand banditisme là, on avait appelé tous les chefs de quartier. Le cadet étant venu, on les a dit, cette histoire-là, on est vraiment débordé avec la criminalité transfrontalière et même transnationale. Donc, je veux dire transnationale. Donc, il faut que tout le monde s'y implique. Il n'y a pas un chef de quartier. Moi-même, mon propre numéro était un numéro vert. Le 622-39-39-39. Les journalistes qui m'écoutent là peuvent l'avouer. Pour être vraiment proche des citoyens, pour que nous réagissions rapidement en cas de besoin. Donc, le chef de quartier étant venu, on a dit qu'il y avait un programme de nettoyage. Et le quartier d'Uxine, je ne sais pas ce qui s'est passé, les jeunes se sont manifestés, ils ont fait une manifestation contre le chef de quartier qui était un vieux, qui avait presque 90 ans ou 80 ans maintenant. Nous sommes venus là-bas avec le gouvernorat, avec le maire de Signe, et le jeune était là. C'est le gouvernorat même qui a nommé ce jeune sur instruction ou sa demande des jeunes de quartier de Dixit. Est-ce que vous voyez? Et quand la demande a été faite, vous avez dit, les gens ont applaudi qu'il faut que ce soit lui. Moi, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est vraiment les journalistes qui étaient là et encore dans la chose, dans les archives audiovisuelles. Donc, c'est comme ça, le chef de quartier a été nommé, le gouvernorat était là et tout le monde était là. C'est bon. Non, je reviens, monsieur le président, sur un seul point maintenant. Le jeune étant nommé, pas de rapport entre nous. Et moi, je pense que les preuves là aussi sont disponibles. Ils peuvent l'apporter si c'est Thiébro qui a signé ou bien qui a annoncé qu'il est nommé. On va au camp. Je finis par vous dire que ces deux éléments n'ont rencontré sur moi et sur ma personne, sur mon service, que de la fabulation. Quand ils disent, on est sorti la nuit, on nous a torturés. Demandez un Guinéen de Conakry à l'intérieur du pays. Si un seul jour, quelle que soit l'infraction commise, si mon service, quelqu'un a pu, c'est-à-dire, même insulter quelqu'un qui est là, une mise à cause, ou bien quelqu'un qui est accusé d'un fait, quel que soit le niveau des faits. Je suis rentré dans le truc là, lui dit qu'il était quelque part avec des étrangers. Et l'autre l'a dit qu'il était dans un conteneur. Donc les deux ne me tiennent pas dans le c'est même bon, local. C'est bon, s'il vous plaît, c'est bon. Donc, maintenant. Oui, monsieur le président. Les deux ne tiennent pas dans le même local. Parce que vous répétez maintenant. Je vous dis simplement, et purement et simplement. C'est bon, monsieur Camara. Fabulation pure. Voilà, monsieur le président, à partir de ces explications, nous avons quelques questions. Vous voulez, s'il vous plaît, vous voulez dire quelque chose dessus? Oui. Je vois oui. Des mains qui se lèvent avant que vous ne continuiez avec une autre question. Voilà, je voulais finir avec lui, avec votre permission. C'est le même sujet. Oui, des précisions par rapport à ce qu'il a dit. Si vous permettez, monsieur le président, j'aurais voulu apporter quelques précisions, si vous me permettez. Voilà, attendez, monsieur le procureur. D'accord, allez-y.
D'abord, Monsieur le Président, il vient d'affirmer devant vous ici qu'il m'a donné 5 millions à son bureau. Ce que j'aurais souhaité, colonel Abdoulaye Diaby est ici. C'est lui et professeur Koutoubou Sano qui sont venus le lendemain matin nous faire libérer et nous envoyer à l'hôpital. Là. Donc, et au-delà, notre arrestation a fait l'objet d'un couvrage médiatique énorme. À ce jour, vous allez sur YouTube ou Internet, tout est relaté, ça existe. Ça, ce ne sont pas mes paroles. Et on était une dizaine, ce n'est pas juste ma parole. Tout ce qui s'est passé, au-delà de ce que moi j'ai dit, les autres sont là. Et j'aurais attendu que le colonel Thiebro ait le courage au moins de dire la vérité. C'est bon. S'il vous plaît. Monsieur le Président, moi je le renvoie ou alors je rappelle au tribunal mon passage le 3 décembre. Ce que le colonel Thiebro dit, et je retiens pas que le passage du 3 décembre, depuis mes sorties médiatiques, au sortir de ces tortures-là, j'ai dit et je maintiens, c'est aux environs des erreurs que vous nous avez allévées à la maison des jeunes de Dixine. Alors, je prie au bon Dieu que Dieu sauve la Guinée. Parce que quand colonel Thiebro dit que c'est à la maison des jeunes ce qu'il est en train de dire là, honnêtement, je dis que Dieu sauve la Guinée. Parce que pour moi, quand on a peut-être la chance ou le privilège d'atteindre un certain niveau de sphère de l'État, il y a de ces choses qu'on ne doit pas se permettre. Mais je comprends la logique. Hein. Vous nous avez infligé des cas de torture et vous savez les conséquences. Il y a toute une convention internationale. Hein. Voilà. Maintenant, je veux dire que moi, je n'ai pas dit que professeur Koutoubou Sano est parti au camp depuis ma première déclaration. Colonel Koutoubou Sano est venu nous trouver à l'urgence de Donka. La première personne qui est venue, parce qu'à l'urgence de Donka aussi, on nous a sortis au camp là-bas parce qu'il y a eu un battage médiatique. Il y a eu de communiqués, radio, Amnesty International, il y a eu le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, beaucoup de déclarations. Le gouvernement français qui avait même suspendu un pont qui était en construction, le pont du 8 novembre. Vous pouvez vérifier, c'était une déclaration officielle du gouvernement français. On nous a sortis. On nous a envoyé aussi à l'urgence de nous. Et on était obligé de regarder le soleil. Obligé de regarder le soleil. Mais je précise en ce moment, il n'était pas là. Mais c'est lui qui a donné l'ordre. De surcroît, je l'ai rappelé. Il y a même un de nos amis qui voulait se mettre à l'aise. L'officier dit, tu es en grève, non? Tous les organes doivent être en grève de faim. Je l'ai rappelé. Je n'ai pas perdu conscience. Malgré les coups, le degré de douleur que vous nous aviez infligé. Maintenant, colonel Jacques Touré, paix à son âme, en ce moment, il était le conseiller du Premier ministre en charge des questions de sécurité. C'est lui qui est venu, il a réussi à obtenir difficilement des agents de colonel Thiebro de permettre que nous venions nous asseoir. On est venu. Maintenant, Koutoubou Sano est venu. Quand le professeur Koutoubou Sano est venu, il a chassé les éléments de colonel Thiebro qui étaient là. Et puis, en ce moment-là, encore une fois, je réitère que moi, je n'ai pas remarqué la présence marquée de colonel Diaby. Mais on nous a fait administrer quelques soins. Et le professeur Koutoubou Sano nous a pris. On nous a envoyé au niveau du pont 8 novembre, côté droit en ce moment, au pied du pont, il y avait un restaurant. C'est bon. Voilà, donc je précise ces éléments, à mon avis, qui sont importants. C'est très grave. Monsieur le Président, c'est très grave. D'abord, les deux ne sont pas concertés avant de venir, ça c'est clair. Il y a une contradiction forte. Monsieur le Président, je commence par Jacques Touré. Colonel Jacques Touré, qui était mon chef d'état-major, à l'époque, c'est-à-dire avant l'époque. Jacques Touré, le moment dont il parle, à octobre, comme ils ont dit dans leur déclaration, 2009, Jacques Touré déjà était à la retraite. Et Jacques Touré, nulle part, n'a été nommé chargé de questions de défense et sécurité à la primature. Allez voir les archives. Mais pourquoi les gens aiment créer des problèmes? Il dit tout celui-là qui n'a pas observé Diaby. L'autre l'a dit, j'ai vu Diaby. Il dit que Koutoubou Sano les a trouvés simplement à Donka.
à l'hôpital. Il dit encore, Koudoumou Sanou l'a trouvé encore là-bas avec Jacques Touré. Il dit que Jacques Touré était venu nous voir pour nous demander. Et c'est lui-même qui a dit encore que les sages même de la forêt étaient venus nous demander. Contrairement à ce monsieur, il dit qu'ils sont venus le lendemain, ils ont été libérés, ils ont été mis à disposition de Koudoumou Sanou et l'autre là, où Donka, le lendemain. Et on parle de Nations Unies. Entre 0h, pour l'un, et 18h, ou 19h, pour l'autre. De 19h à 0 au matin, les Nations Unies peuvent se mettre en branle contre un pays. La France peut se mettre en branle contre un pays. L'Union Européenne, c'est lui qui a dit, hein, j'ai tout noté. L'Union Européenne peut se mettre en branle contre un pays. Ils sont vraiment importants. Hein. Ils sont vraiment importants. Moi, je vous dis que c'est de la fabulation. Et c'est bon. C'est grave. C'est bon. Et ce qui est grave, c'est la mythomanie. C'est bon, s'il vous plaît.